C'est le coup de quoi? Parce que là. Parce que sur Twitch ça bug un petit peu. Accueil. Hein? Donc là c'est noir, on est d'accord. Eclipse, c'est tellement de la merde. Normalement, est-ce que. Dis-moi quand tu vois le jeu. Tu vois le jeu? Tu vois le jeu, tu vois un petit cheval? C'est qui Ruldi? Ah, Ruldi, c'est un petit village. Attaquez la cachette! C'est qui Ruldi? C'est un petit village. Donc là, je te présente mon armée. Tu vois? Des grands mecs, tu vois? Là, c'est nous. On est Jean-Eudes. Tu vois, on est là. On est bien stylé, tu vois, la grand. Hein? Moi je suis sur LOL là, je suis en solo queue. Attends, je vais voir si on sait pas. Moi. Ouais. Ah là c'est mieux là. T'es en train de gagner, mais est-ce que je prends les autres? Donc, nos hommes là, donc où sont les bandits? Par là. Je vais faire charger parce que je sais pas où ils sont. Alors, je vais vous laisser y aller, hein, les gars. Ils sont par là. Attends, parce qu'il y a un con qui monte là-bas. Oh! Quel con! Ah, qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Il fait demi-tour, je te casse ta gueule, hein! T'es viré, mec, t'es viré! Sert à rien, tu sors! Quel. Oh, il y a un vieux qui m'attaque là! Tiens! Oh, le vieux, comment il donne des points! On l'a dégringué! J'en ai eu à tuer un pilleur. Tiens! Allez, mes mecs! Tiens, meurs! Tiens! Allez, les gars! Allez, les gars! Tiens, meurs! Tiens! Allez, meurs! Oh là! Oh, il est un peu vénère celui-là, il part mec ou. Tiens! Alors on a gagné. Voilà donc frère du marchand, merci de m'avoir sauvé. T'es en train de win en yellow queue quoi. On va tout piquer parce que clairement on va tout revendre, on va se faire des couilles en or. On est en silver donc ça s'appelle Eagle Pro. On ne peut plus rien prendre. Alors on va passer par une grande ville. Ah, on va passer par Jekyll là. Non, on va recruter du mec parce que clairement 8. Voilà, on est 13 maintenant normalement. Ouais, on est 13. Un deuxième lancier, 3 lanciers ou un arbalète. On fait quoi? Parce que le lancer c'est ça. Allez, lancer. Deux lancers. Allez. Allez. On est parti. On va vendre un petit peu à Jekyll là parce qu'on est un peu à la 65 deniers, c'est-à-dire rien. 67, excusez-moi. Y'a pas un rond le mec? Ah non, un petit peu pauvre, hein. Désolé pour lui, mais. On va passer à la ville. Qu'est-ce que je dis, Gobstro quoi? Se promener dans les rues, j'ai pas envie de passer par le menu. On va clairement aller chercher le marchand. Armurier. Là, monsieur, bonjour. Voilà, montrez-moi ce que vous avez. On va tout lui vendre, tout ce qu'on vient d'avoir. Clairement, on va se faire du denier. Alors 14, et là j'ai 14. Ok, tant pis. Clac, clac, clac. On se fait 134 deniers. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, clairement, on va aller par là. Ah, mais attendez. On va aller à Jack là, à la taverne. Là on est à la taverne. On va voir le marchand hein. Allo? Ah putain, mais je me sens seul, moi je parle tout seul. Ouais. Voilà, il m'a donné 200 deniers. 200. 200 deniers clairement. On va dire oui, même si j'ai pas compris ce qu'il voulait. Vous avez quitté la taverne. Dans vous, quittez la taverne et vous engagez dans la rue, des jeunes hommes nerveux font le gage à coin de rue, vous apercevez des dagues, des gourdins. Ouais. Clairement,
Oula. Qu'est-ce qui se passe? La main en l'air. Oula. Ça la baston en ville. Tiens. Tiens. On a des potes là. Tiens. Voilà. Mais je mets une fois gentil pédaco, boum, machin. Imagine. Vous avez trash une nana qui était bronze parce que. Attaque-moi. Clac. Voilà. Et non. Tiens, on part le coup et clac. On lui fout un coup, on part le coup et clac. On part un coup. Il est violent celui-là. Voilà, il est mort. Putain, là, il y a un connard. Voilà. Lancer vétéran Rodoc. Par contre, lui, c'est un des futurs à nous. Lui, c'est un futur bon, tu vois. S'il y en a encore. Les quelques bandits responsables se dispersent dans les rues électrodes poursuivis. Vous assurez que la victoire totale. Ouais. Merci. Voilà. Vous avez obtenu 200 denis, donc on se fait des couilles en or. Tous les scélérats. Le Jean Eudes, ah ouais. Tous les scélérats vont apprendre à craindre le nom de Jean Eudes, hein, clairement. Jean Eudes, hein. On va cliquer. Le grand Gravet. Exploit. Backroom. Ouais, clairement, il est content, quoi. Le roi, il est. Top de sa forme. Alors, note, on a plus de quête. Ah, mais. Qu'est-ce qu'on fait, les gens? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se fout au milieu des champs, là? On dort pendant la nuit? On dort pendant la nuit, allez, oh. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on se fait attaquer? Non, l'aube, petit matin, on attend le matin avant de bouger. Attendez. Il y a un jeune là-bas. Voilà, on va essayer de lui parler. Bonjour, je m'appelle Jean-Eudes, à votre service. Voilà. Voilà, ouais. Vous avez quelque chose à me faire, à te dire, faites vite. Voilà, donc bref, papoter, on s'en fout. J'ai quelque chose à demander. Où se trouve le roi Gravet, bien sûr, le roi d'Herodoc. Regardez sur le terrain, il devrait être près de Ibdeles. C'est où ça? Ah bah il doit être juste à côté en fait. Il est là, ah, voilà. On va aller parler. Jean-Eudes à votre service, bien sûr. Vous appartenez, vous, à la classe populaire? Non. Avez-vous une tâche à me confier? Ouais. Exécuter selon la loi. Le garde qui part pas, t'es sérieux, là? Ah, ça y est. Pour chasser. Le mec qui est à Bruvent, qui est là-bas. Donc, on va aller exécuter un mec. Donc ceux qui regardent la VOD, je vous invite à mettre un petit like si vous aimez bien l'accent canardien une fois, même si je le filme, hein. Mais hein? Combien de gens qui te regardent? Je sais pas, j'ai pas regardé. On va prendre... Ouais, mais je devrais payer trop... Non, mais à l'aise. On prend les mecs. Bon, ils sont du village. Donc ceux qui regardent la VOD, je disais, vous pouvez laisser un like si vous aimez bien la vidéo pour pas... pour dire ouais, c'est bien, pour nous encourager. Si t'aimes pas, bah tu dislikes parce que t'es un rageux, ou si t'aimes pas, simplement tu quittes la vidéo. Mais je vois pas pourquoi t'aimerais bien, enfin pourquoi t'aimerais pas, même si je fais le con et que c'est pas une vidéo sérieuse. Pour le premier épisode sur Mountain Blade Warband, parce que j'ai pas dit c'était quoi depuis le départ. Donc nous sommes sur Mountain Blade Warband, un jeu médiéval où on se retrouve dans un monde roleplay. Donc on commence à partir de rien, on peut devenir tout. C'est-à-dire roi, on peut être roi de toute la map. Mais ça prend du temps. Donc voilà. Donc c'est bien, c'est pas mal, je, franchement. On peut y passer des heures. Donc là, on cherche un délinquant juvénile. Normalement, c'est lui, parce que les hommes nerveux sont jamais les gens normaux. Donc je cherche un meurtrier de gens nommé Davnad. Correspondait à cette expression. Enfin, monsieur, je n'ai jamais tué personne, je pense que vous faites erreur, personne. Alors lâchez votre épée si vous êtes innocent, donc moi je joue au bluff, ouais. Tu vois. Et je lui dis, ouais, si t'es pas lui, t'as une épée, tu vois. Maintenant allons-y, parlez à votre voisin, c'est confirme votre histoire, je prendrai mon chemin. Le mec il dit, j'irai nulle part, vous avez le droit de gagner votre argent aujourd'hui. Ouais, donc il
est pas content, le mec. Je ne veux pas d'argent, mais appliquer la loi ou alors pas de problème. De toute façon, je n'ai besoin que de votre tête. On m'a dit exécutez-le, donc je vais le tuer. Allez au diable. Donc, on va sortir l'épée, parce que monsieur n'est pas content. Hein. Hop, on part un coup, on lui fout une claque. On part un coup, on lui fout une claque parce que les nous. Oula. Un peu vénère le mec. Il tient sa vie, hein. Reviens. Faut parer un coup, ensuite j'attaque. Non. Voilà. L'homme nerveux est tué par Jean-Eudes. Voilà. On va ramasser son épée. Hop. Parce qu'elle a l'air pas mal en fait. On tape de côté. Chac. On tape de côté. Chac. Voilà. Bon. Pop-pop-pom. Ouais. Donc, on doit retrouver le roi Gravette qui était par là. Donc, on va retourner par là. Donc, notre objectif pour ce premier épisode, ce sera. Donc, nous sommes 18 sur 48. Donc, on va parler au roi Gravette, on va voir combien on a de thunes. Et on va voir s'il n'y a pas un petit tournoi. Genre, pour dire. Voilà. Alors, là, j'en veux de. Voilà, j'ai tué, je l'ai son châtiment, permet de. On va prendre l'argent, parce qu'on est un peu pauvre. Voilà. Donc il veut pas, en fait, je vous explique. Je pourrais directement demander pour être un de ses vassals, c'est-à-dire avec un drapeau, une armée et tout. Mais je suis pas prêt, il ne me connaît pas, j'ai pas d'armée, j'ai pas de château, j'ai rien. Donc oui, il n'a aucun avantage à me prendre dans son armée. Et alors voilà. Donc notre objectif ce sera d'être dans son peuple. Donc le royaume Rodok contre je sais pas, ils sont en guerre contre qui d'ailleurs, je vais lui demander. Parce que bien sûr les royaumes ne sont pas en guerre tous l'un contre l'autre, sinon ce serait un pur dit match. Et voilà. Eh bien j'en veux alors quelque chose à vous demander, comment avance la guerre? Ils sont en guerre contre les Soadiens et les deux camps ont beaucoup souffert. Heureusement que je vais venir de votre côté. Il ne veut toujours pas. Donc, on va s'arrêter là pour le premier épisode sur Mountain Blade Warband. Vous me dites si vous trouvez ça dégueulasse ce jeu. Vous le dites comme ça, je fais pas les vidéos. Et je fais ça de mon côté. Allez, avec notre ami Jax. Hein, Jax? Bah, non. Je dis, si les gens aiment bien, ils le disent dans les commentaires. S'ils aiment pas, ben on fera ça de notre côté. Tout seul. Oui. Parce qu'on s'amuse bien nous sur ce jeu, c'est pas mal. Et petite question, il te fait, t'as ton launcher de LOL qui est lancé là? Oui. Que tu veux me dire s'il y a un problème de ranked ou je sais pas quoi là? Attends les. Ils disent un message comme quoi genre non. Il y a des lags ou je sais pas quoi, non? Non. Ok donc maintenant je vais avoir du mal à rentrer sur le jeu, merci. Mon LOL a complètement FF. Alors clairement normalement c'est noir là, c'est normal. Par contre, on était à 20 000 FPS, enfin, ouais, MS, sans avoir de drop, donc c'est magnifique ça. Donc, on va se laisser là pour le premier épisode. Donc, je vais relancer tout de suite après manger, moi, parce que là, je vais aller manger parce que j'ai faim, comme tout le monde. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Capitaine Flamme parce que cette vidéo ce sera sur sa chaîne. Et voilà, si vous voulez voir d'autres épisodes, voir. Qu'est-ce que je fais, voir si je fais des lives et tout. Quoi? Je vais voir Jean-Eude sur le live, parce que là je le regarde. Ah, Jean-Eude, il est là. Salut. Moi, je vais voir le perso. Moi. Attends, on va aller au château, comme ça tu verras bien. attendez, je vais me téléporter, pouf, voilà, on fait comme ça, mais je vais pas le faire normalement. Alors Jean-Eude, il est comme ça, tu vois. Attends, là t'es encore en train de te promener. Ah, hop. Ah, la gueule de pisson. Ah, il a une bonne tête, hein. Attends, on va zoomer. Hop, hop, hop. Là tu vois il a une bonne tête. Avec un menton gredu, tu vois le machin. Ah ouais, en plus il est bien barbu. Il a une épée, tu vois, un bouclier. Il est incrusté dans sa veste la barbe. Tiens, 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 tiens. Clairement ouais. La barbe le mec il lève la tête. La barbe a fait partie de sa veste. Donc voilà. C'est son écharpe, donc, c'est ça. Sa barbe a fait tout son dos. Donc Jean Eudes au moins qui n'est. Qui n'aura pas froid. Qui est beau gosse et qui n'aura pas froid, ouais. Un petit mot pour la fin, Jax. De l'eau. De l'eau, ok. On se jette dans le feu et... A plus, tout le monde.